Comment ça va? On est plus cool aussi, plus détaché de cette blouse blanche aussi, pour pouvoir être à la portée des patients et de leur famille. J'ai une petite misère à vous faire aujourd'hui, Madame Bernard. Ah, la prise de sang. Voilà. Oh, c'est pas la misère. Mais non, c'est pas la misère. Je vous dis quand je pique. Suzanne et Gilbert ont plus de 80 ans. Ils vivent seuls dans leur petit pavillon à la campagne. L'infirmière passe un jour sur deux pour panser les plaies de Suzanne. Et là aussi? Non, ça va mieux. Que voulez-vous? Je suis quand même mieux chez moi quand même que, bah oui, que l'hôpital. On n'a pas, j'ai pas de visite. J'ai eu une voisine qui est venue me voir. Puis, quand elle m'a vue, oh, elle a fait, oh, oh, j'ai compris. Ah oui, j'ai tellement changé, voyez-vous. Vous voulez rester avec votre mari, là, hein, c'est important pour vous, madame. Oui, madame. Oui, oui, c'est ça. Surtout, le peu que je l'ai attendu à vivre, quoi. Les gens, hein, tout le temps, quand même, tout le temps. Voyez-vous? Si c'est important pour vous d'être avec lui. Oui. Mais votre mari a besoin aussi de moi. Gérer l'environnement social, écouter et rassurer le patient. Souvent, Julie sort de sa mission première, soigner. Alors à 34 ans, comment le gère-t-elle? Parfois, on peut avoir des transferts. On peut facilement s'identifier au patient ou à l'entourage. Donc oui, il y a des fois où l'affect est touché, c'est normal. Après, d'où l'intérêt d'être une équipe. Et de se passer la main et d'en discuter autour d'un staff. Mais c'est humain. Sinon, on n'est pas des bons soignants. Hein. Si on n'est pas humain, on ne peut pas soigner correctement, enfin, je crois. On n'est pas des robots.